Drop 15 in the DMC. Hello tout le monde, c'est Alexus du 44, on se retrouve aujourd'hui en compagnie du Tapeur. Hello tout le monde, je suis très heureux de vous accueillir et surtout quand même un petit peu... Voilà. Très exactement. Donc, on est en mode multijoueur. Tout à fait. Et on a créé une course. Donc c'est la Vuelta en 7 étapes, sans chrono, parce que les chronos nous faisaient bugger avant et tout. Voilà, on a réessayé cette course 8 fois avant, ça a bugué. A savoir aussi, on a joué un tour, on a réussi quasiment tous les premiers coups. Là, je tiens à féliciter le jeu parce que c'est rare quand même. Et bim, premier chrono, 3 fois ça bug. Donc bon. Voilà. Donc on peut vous prévenir, les chronos ne marchent pas en multijoueur. En tout cas pour nous, en tour multijoueur. Voilà. Et à savoir aussi, on a créé une petite database, mais une database juste. J'ai créé simplement deux équipes et avec quasiment les mêmes stats, quand même il y a les mêmes stats. Enfin, il y a une petite différence, je crois qu'il y a peut-être d'avoir un point, ça, j'ai pas dû faire exprès. Mais du coup, c'est juste pour que, comme ça, bah, lui, il a la team de Stucru, voilà, avec en leader Alexus. Donc, montre un petit peu les notes des leaders qui sont très 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 cheatés. Et on a tous les deux les mêmes coureurs pour le reste, hein, presque, à part les noms. Moi, mon équipe est jamaïcaine. Moi, elle est anglaise, non? Oui, non, française, tu m'as dit française, alors elle est aussi française. Ouh là là, Angus, et bim! Le podium! Putain, t'as mis le grimpeur, là, mon gars! Ouais, il était chaud, là. Ah, t'as mis le 72 partout. Bon, ça va au bout, ça. Oui, à savoir qu'on a créé des équipes. Donc, moi, j'ai Alexus 83. Enfin, vous voyez les notes, hein, ici. Moi, j'ai Abbott, qui a 74 partout. Angus, un autre grimpeur vallon. D'Amour, 70 partout. Golio, 72 partout. Gros, qui est un bon vallonneur, qui sprint assez bien. Le Grand, 91 sprint. 80 en accélération et un autre sprinter à peu près. Et lui, il a à peu près la même chose. Donc Alexus et le Tapeur sont de même niveau exactement. Alors, en fait, il y a juste que moi j'ai 83 en plat et toi 82. C'est ça la différence. Ah, bah je t'ai donné un petit peu d'avance, on se sait jamais. C'est pour ça que je suis fair play. Ah, j'ai aussi un de plus en accélération et un de moins en descente. Ah ah, alors on aura des stats qui vont différer, ça change tout. L'accélération c'est bien, la descente aussi. Donc ensuite lui il a pris le sprinter Brandt, le grimpeur Bro. Tu sais qu'il faudrait peut-être détailler les notes des coureurs. Connery 70 partout, Demani 75 sprint, voilà. C'est le pavé de Mani. 74 partout. Je vous détaille les équipes moi-même. Oh, Patrick 72 partout. Et l'autre vallonneur, enfin puncher, Philips. Donc les équipes sont de même niveau, à peu près. Hein. Voilà. Donc à savoir, on fera sans doute d'autres cours. Donc il y aura peut-être des Paris-Roubaix qui vont péter, des trucs comme ça. Donc du coup, ben, je vous détaille toute l'équipe. Donc on a trois autres coureurs qu'on n'a pas sélectionnés ici. Donc il y a un nul qui a 50 partout. Un petit peu moins nul qui a 55 partout. Et un mec pour faire les bidons, je crois que je l'ai fait exprès avec des bonnes notes de plat d'endurance et de résistance. Et à savoir qu'il y aura une vidéo de ce genre par semaine. Je pense que ce sera le week-end. Voilà. Et donc à savoir aussi, donc il y a les trois vrais équipiers. Donc celui qui a 72 partout, celui qui a 70 partout, celui qui a 74 partout. Ensuite, il y a qui d'autre? Il y a le puncher, donc 79 en accélération, 82 en ballon. Qui marche bien en montagne, qui a ses bons sprints, également en pavé. Bonne note d'endurance et résistance. Point faible, le chrono et les descentes et la récupération, évidemment. Ensuite, il y a le grimpeur, donc bah, évidemment très bon grimpeur, très bon descendeur. Tout ce qui est notre résistance, endurance, récupération, baroudeur, tout ça c'est bon. J'ai quand même fait une bonne pointe de vitesse. En fait, il est un petit peu bon partout, mais son point faible, s'il y en a un, c'est quand même un petit peu le chrono. Donc. Ensuite, on a le puncher. Ah bah non, mais putain,
On a le spécialiste en pavé, qui passe plutôt bien les boss, qui est un petit peu, qui se démarre pas trop mal en chrono. Il va également vite en sprint, donc c'est un petit peu lui, le poisson pilote du sprinter et non pas du leader. Enfin bref, très bon en endurance. Point faible, bah la montagne évidemment, et de ses 50 en montagne, il va pas aller loin, le pauvre. Ensuite, on a le sprinter, qui passe bien les boss. En prologue, c'est pas trop mal, il va bien également sur le pavé, c'est un bon descendeur. Endurance, résistance, ça passe. Donc 80 en sprint, 80 en accélération, 80 en pleine. Et donc ensuite, les gros leaders. Donc, bah, aucun point faible. Hein, 82 en plat. Enfin, à savoir, il y a, comme l'a dit Alexus, il y a une ou deux notes qui diffèrent. J'ai pas fait exprès, j'ai pas assez bien regardé. Donc on a, pour moi, le tapeur, donc ça serait 82 en plat, 85 en montagne, 84 en vallon, 83 en chrono, 84 en prologue, 83 en pavé, 84 en sprint, 84 en accélération, 82 en descente, 82 en baroudeur, 81 en endurance, 83 en résistance, 85 en récupération. Et le leader d'Alexus, ce sera... Tes notes? Je les ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, tu rappelles ce que j'ai dit en fait. Je n'ai pas écouté, excuse-moi. A savoir que du coup, je pense que malheureusement, on peut pas faire de saison en ligne, mais je pense que je vais essayer de planifier ça sur un bout de papier. Je pense que je vais nous planifier un petit calendrier en fait, on essaiera de faire jouer des étapes tous les 2-3 jours et de les poster toutes les semaines. Ou tous les 2-3 jours, histoire que ça fasse un petit peu comme si ça serait une vraie... Pour les vacances, on va peut-être en mettre plus souvent. Oui, mais, ouais, mais n'oublie pas quand même, on a nos carrières, donc vu que c'est des abrutis nos abonnés, non, je déconne, vous kiffez trop, j'aurais dû vous faire l'amour, je vous aime. Oh. Oui. Eh ben... Ça baise maintenant. Quoi? Non, hein. Non, mais c'est le bordel, parce que comme vous le savez sans doute pas... Moi, je peux pas uploader mes vidéos, du coup, c'est Alexis qui est obligé de me les uploader. Donc, t'imagines, si t'en mets une par jour, ça fait deux vidéos à uploader des carrières, plus une vidéo de ça. Donc, bon courage si t'as envie de les uploader. Pour les vacances, j'en mettrai pas une par jour, hein, de ça. Non, non, mais c'est une par jour. C'est juste que t'as intérêt à ce que ton marché marche vite fait, là. Autrement, j'arrête ta carrière, moi. Le gars, il a droit de veto sur moi, quoi. Ah, bah oui. J'arrête. J'arrête ta carrière, c'est fini pour toi. Ça s'appelle comment ton sprinter? Brand, et je connais pas très bien les prénoms. C'est Brand. Donc les noms, hein, si vous voulez savoir, bah le leader c'est Maxime Tapper, évidemment. Je parle pour mon équipe. Le puncher c'est Phillips. Le sprinter c'est Brand. Le pavé c'est Domagny. Le grimpeur c'est Brown et les trois équipiers c'est Patrick le 72, Gugus le 74 et Connery le 70. Et pour les autres qui n'ont pas sélectionné, j'ai Zuzu je sais pas quoi, parce que j'ai mis un petit peu n'importe quoi, j'ai mis des Z partout. Jean Neymar le 55 et ce gars est nul le 50. Et pour toi c'est quoi? De quoi mon nul? Bah tous les noms de tous tes coureurs. Je l'ai déjà dit, mais t'es sérieux? J'ai dit tous mes noms, les miens et des tiens, j'avais tout fait et toi faut que tu continues. Mais t'as pas dit le nom des nuls et tout? J'ai dit le nom des coureurs, j'ai montré en étant sur les équipes. Oui mais t'as pas regardé les nuls. Ceux que t'as pas sélectionné, comment ils s'appellent? Ah mais je sais pas qui c'est moi. Ouais, je crois que toi t'as J'en peux plus. Ce mec est nul aussi. Non, ce mec qui. Si, je laisse. Ce mec qui est faible. Je laisse ce mec qui est nul. Ah bah, moi, c'est ce mec qui est faible alors. Parce qu'évidemment, on a fait des petits jeux de mots. Je suis un petit peu un fou, j'avoue que. J'ai oublié. Posé dans la. Ah bah, c'est vrai que ce mec est nul, hein. Ah bah, moi, je préfère ce mec qui est faible. Moi, je préfère, j'en peux plus et j'en ai marre, quand même. Est-ce que tu m'aides à rouler, connard? Parce que c'est un petit peu le leader, donc ça serait bien que tu m'aides à rouler. Non, merci. Ah ouais, non, merci. D'accord. Ouais, ouais, y a ce mec qui est nul, il y a non merci, et là, j'en ai marre. Non merci, bah oui, non merci, t'attends. Le mec qui fait les bidons, je l'ai pas pris forcément. Donc bah ça va être. Gugus, tu vas aller me chercher les bidons, bonhomme. Merci. En fait, y'en a pas mal qui sont arrivés de sprint, hein. Le puncher va bien, le pavé il va bien.
Bon, évidemment, le leader, là. Et le sprinter, là, également. Je suis d'accord pour mettre un petit x2. Je t'accorde, c'est cool. Ah, merci. Non, pas le x4. Je vais voir. Ouais, il est chaud, le sprinter. Le mec, je lui dis pas le x4. Il remet le x2, moi je remets le x4. Bah oui, la logique. Télé, oui. Télé. Je crois que j'y suis avant ça, vraiment. Ah, allez, Gugus, c'est bidon. Allez, mon petit Gugus. Comment je l'appelais? John Gugus. Bah écoute, t'as un bon bonhomme. Bon, c'est d'amour qu'elle est cherchée. C'est qui? C'est bidon. Ah ouais, le 70. Eh oui. Ça devait être un bruit désagréable. Déjà ce soir, je suis sûr de monter sur le podium parce que Patrick. Et le meilleur grimpeur de cette Vuelta pour le moment, donc je tenais à vous faire ce petit peu de vidéo. Pourquoi t'es sûr de monter sur le podium? Bah parce que Patrick c'est maillot à poids en fait. Enfin... Ah mais moi je suis sûr de monter sur le podium! Puisque je vais gagner l'étape. Ah oh, il est marrant. Ouais, je gagne 1000€ au sprint, super, c'est pas trop utile parce que... Parce que t'as un gars devant toi. Bah non. Bah non. Ah oui, d'ailleurs, t'es passé promis. Je suis d'accord pour un petit poquet jusqu'au sprint intermédiaire parce que c'est vrai que c'est vraiment long pour les plots. Parce qu'on se fait chier et qu'on a envie de tourner à mort ce soir parce qu'on est trop motivé. C'est surtout pour ça. Oh, les vols, voilà! Sauf que je vais regarder à combien nous en sommes. 12 minutes. Parfait. On va arriver à 20 minutes à l'arrivée. Parce que là il tape en main route hein, clairement. Okay. Moi je dis cette Vuelta risque de voir soit un Français soit un Jamaïcain gagner. C'est peut-être la première fois de l'histoire qu'un Jamaïcain va gagner et la première fois depuis longtemps qu'un Français va gagner. Donc je vous dis, il y aura forcément un exploit sur cette Vuelta. Enfin, à moins qu'on se fasse baiser par Purito ou Froome ou Ejdal. Ou... Qui ce n'est pas la première fois. Mec, il y a Quintana, Contador, Rodriguez, Froome, Ejdal. Et la Giant, c'est le Game Gold. Je te rappelle que c'est une course multijoueur. C'est vrai, parce que dans les courses. Ils se font lâcher sur le plat la plupart du temps. Voilà, les meilleurs se font lâcher sur le plat. Je t'invite à remettre ton. Mais pas aujourd'hui. Quoi? Pas aujourd'hui. Y'a qui t'es là? Non, c'est des Game Gold, Johnny. Oh, ça va, easy. Bah, nous, on est des 84, donc c'est bon. Ah, mais en sprint. En plus, mon équipe. Ils sont stylés parce que c'est des Jamaïcains. Voilà. Wouh! Patrick, tu vas te proposer un peu parce que t'es un petit peu fatigué et j'ai envie de te conserver un petit peu pour que tu aies. Et les deux autres font le taf, c'est des rouleaux compresseurs littéralement. On va peut-être laisser un petit peu la GM rouler dans pas longtemps. Par exemple, maintenant, voilà. Allez, ils démerdent, voilà. Alors, vous trois, vous êtes bien mignons, vous avez l'air culé un juste un tout petit poil. Sauf si vous voulez faire le sprint, évidemment. Allez, vous faites le sprint et allez, je vous accorde ça. Mais attention, pas tout le temps non plus. N'empêche, ça va, les sprints vont aller hyper vite. Hein. Voilà l'équipe qu'on a en sprint, mon gars. Oula, Roras. Gros pétage de câble. Le gars, il a fait tout le poteau, il a fait coucou. Alors que là, l'auto roule, il y a Greffel. Il y a Jürgen Roland. D'accord. Bah, ça y est, le what the fuck commence à commencer. Pourquoi? Bah, parce que là, l'auto roule alors qu'il n'y a aucun sprinter. Ah, et c'est tout le temps comme ça. Ah, si, je suis con, il y a le Debuchère, évidemment. C'est vrai qu'à côté des 84 et des 82 qu'on a, Yannis de Bucher avec son 77, il a rien de roulé. Merci Lia, infiniment. Non mais ouf, il y a des trucs plus cons, hein. C'est vrai que là, bon, ça peut passer encore. Mais... Voilà, il y a des trucs cons, encore plus cons. Cons.
encore plus con. Le peloton vient de reprendre les échappées. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Il va au Gugus. C'est pour eux. Alors, pour ma part, le sprint est emmené de manière exceptionnelle. Oula! Il y a Golio qui remonte. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Le sprint ah, ça part plus là. Hein. J'ai pas mis un peu trop de monde dans ce sprint. Putain, les lotos, ils font exprès de s'écarter de mon côté là. Ils me gênent. Allez, faut passer là. Encore 5 km à parcourir. Tu vas où toi? Pour qui se prend? Ça se bagarre à l'avant. Trop mal emmené le bordel. Moi ça va parfait. Oh, on risque peut-être de voir un doublé les gars. Parce qu'il y a Roras, il a le bonus de nationalité. Eh, Roras! Alors, tu voulais la victoire? Bah, moi je te dis que je vais faire doubler. Ah, Alexus, il revient très fort. Oulala, Alexus! Allez, toi, tu lèves les bras, bonhomme. Bim! Bien joué! Eh ben, bien joué! Bien joué! Bien joué, bien joué! J'ai joué! Mais Mais le train est parti comme une grosse bite! Quoi? Montrer un parti comme une bite. T'es vu attaquer mon gars, je me suis dit. Attends. Mais non, en fait, j'étais pas sur le premier truc de mode, j'étais sur le deuxième. À chaque fois, tu te fais avoir. Bon, alors, les gens, je vous propose qu'on se retrouve dans. Attends, on regarde le petit podium. Quand même, regarde l'arrivée. T'as vu comment. Regarde ta remontée, mec, par contre. Bon, c'est vrai que. J'avoue que sur cette course, le Jamaïcain était un peu au-dessus du Français. Mais, belle remontée quand même, je tiens à signaler pour Alexis. Il était fort. Mmh. Regarde-moi cette vue du haut là. Brandt qui emmène parfaitement et là, il t'apporte qu'il est beau sur la gauche et là, il devient imbattable. Il enlève une dent parce que c'est vrai qu'il aime bien tourner les jambes et là voilà, il en met une. C'est fatal, tout simplement. Là, il s'arrête et il lève les bras. Voilà. Bon, et bien écoutez. On va se dire à la prochaine. Il t'a peur, pas des sprinteurs. Oh putain, lol, j'en reviens pas. C'est la première fois que j'ai réussi cette manie. Ouais, mais la prochaine, c'est pour Alexus. Pour là? Pour Alexus. Ouais, et en plus, c'est la Zubia. Arrivée très très haute, hein, pour les punchers. Allez. Allez, bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à la prochaine pour le deuxième épisode de ce petit tour. Allez, bye tout le monde. Bye.